Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Hunting Simulator 2 les amis. Et oui, un retour sur ce jeu, que pour rappel, qui est sorti en juin 2020, il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans déjà. Et j'avais envie de refaire une vidéo dessus, pour savoir où c'est qu'il en était ce jeu tout simplement. Parce que pour être tout à fait honnête les amis, ce jeu il a pas duré longtemps. Hein. Face à The Hunter, il a vraiment pas duré longtemps, il a duré quelques mois et puis après plus personne en a parlé. Et là, à l'heure actuelle, en 2023, il est complètement passé aux oubliettes. Hein. Plus personne n'en parle. Franchement, et je voudrais comprendre pourquoi il a bidé quoi en fait le jeu. Il y a plusieurs explications à ça. Hein. D'ailleurs. Hein. Et j'avais envie d'y revenir un petit peu. Il y a le chien. On a deux sortes de chiens. Qui est plutôt cool. Bon, là on peut placer des trophées, tout. Ça, je sais plus si c'était moi qui l'avais mis, je m'en rappelle plus. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. La dernière fois que j'y jouais, c'était en 2021. Alors, c'est pour dire. Voilà. Et pourquoi ce jeu a bidé? Eh ben, attendez, ce qu'on va faire. Magasin. Déjà. Pour pouvoir chasser différentes espèces, chaque espèce, il fallait prendre un permis. Alors, il y avait trois maps. Ce qui est plutôt pas mal, me direz-vous. Mais le problème, c'est qu'il fallait acheter différents permis pour chasser chaque espèce. Toutes les espèces avaient un permis. Et ça coûtait, il y a des espèces, ça coûtait, le permis, ça coûtait vraiment un bras. Hein. Et donc, ça a peut-être freiné les gens aussi. Il n'y a peut-être pas forcément ça. Regardez, 440 pour chasser les lynx. Bon, voilà quoi. Bon, ça, c'est ce que les permis que j'ai. Ah, j'en ai pas énormément. J'en ai pas énormément. Mais le problème, c'est qu'il fallait prendre différents permis. Bon, ça disait les calibres qu'il fallait. Bon, ça, c'est un peu. Voilà. Ça, encore, ça va. Ça va. C'est normal, hein. Ça te dit les calibres qu'il faut pour chasser chaque espèce. Tout simplement. Mais le problème, c'est qu'il fallait prendre différents permis pour pouvoir chasser une espèce en particulier. Et ça, je pense que, comme au début, ils mettent pas énormément d'argent, je pense que ça a dû freiner beaucoup de monde. Hein. À mon avis. Hein. Après, on a les armes. Ce qui était bien dans les armes, c'est qu'on avait les vraies licences. On avait les vraies licences, comme dans Way of the Hunter. Browning, voilà, on a les différents calibres. Ça, les armes, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Bon, il faut les acheter aussi, comme les autres jeux. Voilà. On avait les vêtements. Ça aussi, c'était de marques aussi. Browning, Vernet Caron, voilà, toutes les vraies marques qui existent sur le marché. Vous pouvez acheter différents. Non, c'était assez complet. Pour ça, il n'y avait pas de. Pour ça, il n'y avait pas de. Mais le problème, c'est qu'il fallait prendre des permis, pour chasser chaque espèce, il fallait un permis. Ouais, c'était un peu. Voilà. Hein. On peut avoir des chiens aussi. Et le souci qu'il y a dans ce jeu, le problème, c'est qu'il n'y a pas de multijoueur. Et ça, sans multijoueur, c'est. Voilà, c'est mortel, quoi. Parce que vous regardez les deux autres jeux de. Bon, vous savez de quoi je parle. Hein. Les deux autres jeux de chasse que. Voilà. Ils ont le multijoueur. Voilà, ils ont eu le multijoueur dès le début. Et ça a fait la différence. Ils disent que celui-là, à l'heure actuelle, il n'a toujours pas le multijoueur. Hein, mais il est complètement passé aux oubliettes, comme je vous ai dit en début de vidéo. Hein. Sélectionnez le sac à dos. Bon, j'ai que celui-là. Sélectionnez les armes. Regardez ça. Non, regardez ça. Les appos, comment on fait pour sélectionner les appos? C'est ça, non? Ouais. Les appos, j'ai que appos à serrer là, face sanglier. On peut prendre qu'un seul appos? T'es sérieux? Non, t'es pas sérieux. Tu vas pas me dire qu'on peut prendre qu'un seul appos? Ah, mais attendez. Attendez, attendez, attendez. Allez, il faut que j'aille là.
Non? Ah, voilà. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. En fait, il y a plusieurs emplacements. Il y a 3, 4, 5, 6. Il y a 6 emplacements pour mettre les impôts. Ça, c'est pas mal. Vous pouvez voir là. Les impôts, on peut les mettre dans les poches. Hein. Ça, c'est pas. On peut prendre deux armes. Bon, voilà. Et ce qu'on va faire, les amis, ben, on va essayer de se faire une petite partie pour retrouver les jeux. Et on va aller en Europe. Marie Tchèque, Judée de Archita. Non. Je sais plus lequel c'est qu'on pourrait aller. Va aller là. Allez, go. Et puis graphiquement aussi, il était pas vilain, hein? Enfin, il était pas vilain. On a mieux aujourd'hui, mais non, mais franchement, graphiquement, il était pas dégueulasse ce jeu. Bon, le souci, c'est que au niveau des. Oui. Au niveau des lunettes, on pouvait pas zoomer. Alors ça, j'ai même pas de jumelles d'ailleurs, je crois. Mais franchement, graphiquement, il est toujours aussi beau. Hein? Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais. Après 3 ans. 3 ans, voilà quoi. Il est pas dégueulasse, hein. Je trouve, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais honnêtement. Non, mais ça va, hein. Le chien, il est où? Il est là. Franchement, c'est pas mal. Il avait du bon potentiel, ce jeu. Mais malheureusement, il a bidé. Par contre, je vais baisser un petit peu le son. Excusez-moi. Attendez. Est-ce que c'est bon? Ah. Non, franchement, visuellement, il est pas dégueulasse, hein. Le problème, c'est que je dois pas avoir de jumelles. Comment on fait pour. Ah oui, c'est comme ça pour changer. Ça, c'est dans la peau. Là, on a la peau. Là, on a la peau. Pour les armes. Comment c'est pour les armes? Merde. Ben, comment je fais pour. Ah, on a un élan là-bas. J'ai pas la peau et l'élan. Ah, mais attendez. J'ai pas pris les bons appos, moi, en fait. Attendez. Je suis pas allé au bon endroit en fait. J'ai pris la peau à sanglier et la peau à. Excusez-moi les amis. Hein. Excusez-moi. C'est une redécouverte pour moi. Franchement. Ouais, il a pas. Ça va, hein, je trouve. Hein. Mais franchement, ce jeu il a bidé, il n'y avait pas de multijoueur dès le début. Il y aurait eu du multijoueur. Ça aurait pu faire la différence. Parce que le multijoueur, ça. Qu'est-ce que c'est? Le multijoueur, ça peut y jouer aussi. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui joue au multijoueur. Hein. Vous savez que ça aurait été pas mal du multijoueur qu'on puisse amener notre chien de notre côté. Si, si, franchement. Et comment on fait pour. On a les appos, on est d'accord? Oui, mais pour choisir les armes, comment on fait? Elle est pas mal. Ah, c'est comme ça, non? Voilà, on est du troisième personne. Ok. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est pour le chien. Je suis en train de redécouvrir le jeu, les amis, là. Non, c'est pas ça. Comment on fait pour avoir les armes? Donc ça c'est les appos, je m'en fous des appos moi. Ah! Ah oui, d'accord. Non, il t'énerve pas, t'énerve pas. Oui, d'accord, comme ça. Ça c'est le fusil. Ça c'est la carabine. Bon. C'est vrai que. Ouais. Il peut pas marcher plus vite, lui? Comment on fait pour s'accroupir? Ouais, bon. C'est dommage, franchement, ouais.
Vraiment dommage que ce jeu a bidé quand même. Est-ce qu'on a quelque chose là pour faire au moins un petit kill? C'est vrai qu'il y avait du potentiel ce jeu. Mais malheureusement, il n'a pas su en tirer parti. Il s'est fait passer devant meilleur que lui. On va pas se cacher. À l'époque, son concurrent, voilà, c'était Zinter, hein, Call of the Wild. L'ambiance sonore est pas mal. Et puis je trouve qu'aussi il a. Ah. Je trouve aussi qu'il a pas été vraiment suivi ce jeu. Parce que pour tout à fait honnête, la dernière mise à jour de ce jeu, elle date de mars 2021. Le dernier ajout qu'ils avaient mis. Et il était sorti en juin 2020. Alors, comme quoi, ça a pas. Voilà quoi. Je sais pas si vous avez rappelé, au début, j'avais fait des vidéos découvertes. J'avais fait quelques vidéos aussi du jeu. Ouais, ça dit que j'ai pas la bonne arme. J'aurais trouvé un sanglier, moi, quand même. Mais j'ai pu. Ah, il faut que tu m'arrêtes. C'est quoi ça? C'est la peau à quoi ça? C'est la peau à serre. C'est la peau à sanglier. Par contre, j'ai pas de jumelles, c'est dommage. Excusez-moi, les amis. Il y a un chat dans la gorge. Bon. Ah non, c'est normal. Tout à fait normal. Mais il y aura pas quelque chose là? Non? Bon, je cours un petit peu, mais bon. Il y a pas un petit sanglier là? Et le chien, je crois qu'on pouvait lui dire de faire partir le gibier, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ah, c'est quoi ça là-bas, non? Non. Bon. On n'a rien pour l'instant. On n'a rien pour l'instant. Bon. Et pour rappeler aussi les amis, ils avaient sorti un Hunting Simulator premier du nom. Celui-là, il était, je l'ai jamais fait celui-là. Il était pas top, il paraît. Celui-là, il était bien mieux. A trouvé quelque chose. Ah, qu'est-ce qu'il a trouvé? Loup. Ah ah. Une trace de loup. Et là, si par exemple on chasse une espèce et qu'on n'a pas le permis, ben on prend une amende tout simplement. Et si on chasse une espèce avec un calibre trop puissant, et ben voilà, ça fait pas quoi. On a une amende aussi, il me semble, si je me rappelle, si mes souvenirs sont bons, oui. En cours de recherche. Ok. On va bien trouver quelque chose quand même. Hey, cherche.
Là, il suit la trace. Cersico. Ok. On va aller plus de là-bas. Mais c'est vrai que ce jeu, bon, il voulait trop se rapprocher de une vraie simulation de chasse. Il y a pas mal de petites contraintes, quoi. Mais dans l'ensemble, bon. Quoi? Une belle merde. C'est du loup, ça. Moi, j'ai essayé de trouver quelque chose quand même. Oui. Non, je devrais pas courir, me direz-vous, mais j'aimerais bien trouver quelque chose quand même. Pour marquer le coup, quoi. Ça serait pas mal. Ah. C'est quoi ça là-bas? Non? Qu'est-ce que c'est? Non, en fait, je croyais qu'il y avait quelque chose. En fait, il n'y a rien du tout. Bon. Bon, je cours, bon, c'est pour essayer de trouver quelque chose, quoi. Ouais, d'accord. Et pour vous dire aussi, les amis, voilà, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est dimanche, 20 août. Et la semaine qui suit, je rattaque le boulot. Donc il y aura un petit peu moins de vidéos que les semaines précédentes, quoi, quand j'étais en vacances. Mais il y en aura toujours. Je vais essayer de trouver l'équilibre entre boulot et faire des vidéos. Je vous promets rien, mais voilà, je vous laisse pas tomber. Hein. Vous inquiétez pas, je vous laisse pas tomber, les amis. Hein. Je vais essayer de faire de mon mieux. Mais c'est pas toujours évident. Hein. Bon, y a rien là dans ce bled, dans ce pays là. Ouais. Ben, quel écart? Un truc, quelque chose. Il est où le chien? J'ai perdu. Ah, mais là. Cersico, frais. D'accord, oui, mais. Mais, oui. Pour la carte, c'est commun déjà. Oui, c'est là. Regardez, là, on a la carte. Vous savez que les cartes n'étaient pas gigantesques. Hein. C'était pas non plus bon, voilà quoi. Moi, j'aimerais bien trouver quelque chose quand même. Alors, les amis, regardez ce que j'ai en face là-bas. Qu'est-ce que ça marque? Ceci est quoi? Et regardez. Que je vous ai dit tout à l'heure. Mais ah, ceci n'est pas un animal homologué. Vous voyez, celui-là, je peux pas le chasser parce que j'ai pas le permis de cet animal et je peux pas le chasser tout simplement. Si par exemple là, je viens le prélever, et eh ben j'ai une amende. Et ça, franchement, c'est pas mal dans. Je veux dire, les développeurs, ce qu'ils ont fait, c'est pas idiot. Le problème, voilà, c'est. Si tu prends une amende à chaque fois que. C'est qu'il faut chasser une espèce en particulier,
faut que tu prennes le permis, tout ça, c'est un peu, voilà. Alors, ce que je vais faire, je pourrais essayer de le prélever pour faire voir. Bon, écoutez, amende, voilà, regardez, chasse non éthique, abattu sans permis. J'ai perdu 250 balles. J'ai voulu vous le faire voir quand même. C'est une chasse non éthique. Bon, on est dans un jeu en même temps. En vrai, c'est pas. En vrai, oui, d'accord, oui. Je comprends. Mais là, on est dans un jeu, bon. C'est vrai qu'il se rapprochait beaucoup trop de. En fait. Dans un jeu de chasse, il faut que ça soit entre les deux, quoi. Il faut que ça soit entre simulation et un peu arcade, quoi. Mais là, c'était un peu trop. Bon, ça, c'est un daim. Mais comme j'avais pas le permis. Franchement, c'est pas idiot hein, ce qu'ils ont voulu faire, mais bon, ça a dû repousser du monde. Ça a dû repousser du monde. Et j'ai touché où? Malager, Europe. Là, ça me dit même pas. Il est impossible de ranger cet animal. Et là, je trouvais comme quoi je peux pas le prendre. Comme voilà. J'ai voulu vous faire voir ce que ça donnait, quoi. Bah, il est plutôt bien modélisé. Ça va dans l'ensemble. Bon, il y a mieux, direz-vous. Mais voilà, ça a dû freiner pas mal de monde, ça. Et le jeu a été délaissé, quoi. Parce que bon, vous savez qu'au début, on n'a pas énormément d'argent. On prend un permis, il faut chasser que cette espèce-là. On peut pas chasser d'autres espèces. Alors ça a dû saouler pas mal de monde. Et voilà quoi. C'est ça le problème. En fait. Ils disent que sur les autres jeux de chasse, les deux autres jeux de chasse, vous connaissez les noms, je ne vais pas vous le dire. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas... Vous n'avez pas besoin de prendre de permis pour chasser différentes espèces. Bon, par contre, il faut prendre le bon calibre, ça d'accord. Il faut essayer de prendre le bon calibre pour que ça soit un peu cohérent. Mais voilà quoi. On peut tout chasser. Ben, au début, on n'a pas toutes les armes, mais. Mais on a toutes les espèces chassables quoi. Si, sur World Center, on peut acheter des. On a des endroits qu'on est obligé de prendre des permis sur des secteurs. Et pas sur des espèces en particulier. Sur un secteur, on peut pas chasser parce qu'il faut un permis. Là, la rigueur, d'accord. Bon. Mais là, sur chaque espèce, il faut un permis. Sinon, on perd en VE. 250 crédits. Hein. J'ai perdu. À cause que j'ai chassé une espèce que j'ai, voilà, que je devais pas chasser, en fait. Mais bon. C'est dommage. Je trouve que c'est vraiment dommage. Il n'y aurait pas une autre bestiole là, un sanglier ou je sais pas quoi, parce que le sanglier, je sais que j'ai permis le sanglier. Et comme par hasard, je suis tombé sur un daim. Voilà. Voilà, quoi. Et c'est. Ouais. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ce jeu, qui l'ont fait à sa sortie il y a 3 ans. Un peu plus de 3 ans. Je sais pas si vous l'avez fait ou pas. Vous n'hésiterez pas à me le dire dans les commentaires. On a rien du tout là-bas. Bon, je cours, hein. Bon. Ah, on a fait un. Mais Ah, mais c'est des faisins. Ah si, mais je peux les faisins. J'ai le fusil. J'ai le fusil pour. Ah, normalement, hein. Mais c'est mon homme. Je vais les faire voler. Ah là là là. Bon, loupé, j'en ai eu un déjà. Où c'est qu'il est ?
Il est où? Ah mais oui, le chien, il y va, je crois. Il me semble, non? Non? Il est pas tombé par là? Attendez. Ouais, d'accord, ouais. Mais il est tombé où? Ah oui, mais normalement le chien doit le trouver. Enfin, j'espère. Enfin, je pense. Je sais pas où c'est qu'il va. Il va où? Il va où? Il va où? Il est pas tombé là? Il est tombé où? Mince, il est tombé où ce con? Non, c'est pas ça. Mais. Ah mais on s'en fout de ça, c'est pas ça qu'il faut, moi, que j'ai besoin. Moi. J'ai dit de trouver le faisan. Comment je fais pour lui dire trouver? Cherche la proie. Ah, non? Est-ce qu'il va me trouver? Non mais il est pas là! Mais il est tout pété cette affaire de chien. Oh, t'as fumé toi ou... Ben, j'ai perdu le faisan. Elle est pas mal celle-là. Je sais pas ce qu'il fait lui, mais bon, bref. Oui, d'accord, oui, mais. Ok. J'ai perdu le faisan. Oh, elle est pas mal celle-là. Je sais que d'habitude il pouvait trouver les bêtes abattues. Bah oui, mais j'ai pas la compé, j'ai pas le truc là. Bah c'est bizarre. Bon bah j'ai perdu le faisan. C'est ballot ça. Purée de purée de purée de purée. Bon. C'est dommage. Ça me mette pas un petit truc en surbrillance pour que je retrouve le ce que j'ai prélevé, quoi. Et c'est bien par là qu'il est tombé. Non? Je l'ai vu tomber quand même, je suis quand même pas aveugle. Bon, bref. C'est dommage. Dommage. Qu'est-ce qu'on a là? Alors ça aussi, la lunette qu'on peut pas zoomer, bon voilà quoi. Bon, mais nous, on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Enfin, un retour sur ce jeu. Et ceux qui le connaissaient pas, ils le découvrent. Voilà. Je vous ai tout expliqué pourquoi il a pas marché ce jeu tout simplement. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Allez voir mes dernières vidéos qui vont s'afficher sur votre écran. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et nous on se dit à la prochaine. Bye bye!